Eh bien bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Subnautica. Oula, il y a des étincelles, on va exploser, j'ai l'impression de regarder aussi que mon pare-brise est en train de se fissurer, ou alors il y a du gel, je sais pas, il fait peut-être froid. Bah, toujours est-il, il est en piteux état. Donc, nous nous sommes quittés alors que nous étions partis à la recherche de ce biome que nous n'avons pas... Enfin, que j'ai réussi à retrouver quand même, mais difficilement quand même. Donc... J'ai toujours pas de balise, une bonne balise ça aurait été pas mal. Donc on est vraiment sur le cul du vaisseau mère. Ok, donc qu'est-ce que j'ai sur moi là? J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? J'ai encore de la place pourtant sur moi là. Ah oui, j'étais à la recherche d'argent parce que je voulais absolument faire mes circuits imprimés intégrés pour pouvoir faire mes lanceurs de. Pour pouvoir balancer des torpilles. Est-ce qu'on redescend quand même ici encore ou pas? Non, on rentre et puis on va essayer de trouver de l'argent finalement. Allez, hop, hop. Allons-y, on va peut-être même s'arrêter en chemin. Hein, pourquoi pas voir si y a possibilité de trouver cet argent qui me fait défaut. Parce que pour l'instant, je ne sais absolument pas... parce que pour l'instant, je ne sais pas où trouver de l'argent. Alors, dans quel biome aller, je ne sais pas. Alors, ici, il y a quand même beaucoup de sable. On peut faire des châteaux de sable. C'est pas mal. Il y a des petits poissons. Alors, pareil, je vois des poissons. Alors, si je vois du poisson... Tiens, viens là, mon petit. Hop. Oh, ça, c'est génial. J'adore. Hop, tu mets un peu de sel. Tiens. Passe-moi le poivre. Alors, là, c'est un peu loin. C'est quoi, ça? On peut tenter, hein. Alors, rompre l'affleurement de calcaire. Tiens, pourquoi il me dit ça? Voilà, je tape dessus avec mon poisson, c'est du titane. On n'en a pas vraiment besoin. Hop là. Et ben regarde, justement, les calories, moi j'y travaille. Hop là, allez. Base numéro 1, on rentre. Hop, hop, hop. Ah, ça c'est mes copines les baleines qui doivent être pas loin, je ne sais pas où. Je sais pas. Hop. Donc on va peut-être manger. Oh là là. On va peut-être manger en priorité. Pom 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 pom, je me balade. Da-di-da-da. Alors. Tiens, quelque chose que j'ai... Oui, il fait toujours beau sur cette planète. Hein, il y a toujours du soleil. Il n'y a pas de... On n'a pas d'intempéries. Bon, c'est pas vraiment gênant en soi, puisque comme l'aventure se passe principalement sous l'eau. Mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être ajouter un phénomène météo. Tiens, tu sais quoi? Toi, je te vois, là. Pendant que je suis là... où es-tu? Voilà, ça évitera que... Je te cherche. Je vais en prendre tout de suite. Voilà, viens là mon petit. Ah. Voilà, inventaire plein, donc comme ça on est tranquille. Welcome aboard, Captain. Tam pam pam pam. Pom pom pom. Oui, 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 oula, oh, oh, dis donc. Alors, on va essayer de faire la manœuvre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien, regardez ces classes. Eh, j'ai l'impression d'être Goldorak. Et regardez, il se charge. Waouh, bon, il se répare pas, mais il se charge. C'est génial, c'est tout simplement génial. Donc, j'ai faim. Donc allons-y, on va se faire un petit peu à manger quand même. Voilà, là on va pas perdre trop de temps à faire ça. Donc on peut le faire ensemble. Voilà, je pense même qu'on va bouffer l'autre avec, on va tout bouffer. Ça évitera que ça pourrisse. Alors on va manger toi, toi, toi et toi. Et voilà, comme ça on est au taquet. On va se faire une bouteille de flotte aussi, de la javel. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Hop. Voilà. Deux, allez, ça va me suffire. Et on va boire un canon. Non, faut faire un peu d'eau. Alors, de l'énergie, on en a. Hop.
On va faire une deuxième. Et ben voilà, regardez. Et c'est génial. On commence vraiment à devenir des professionnels de la survie, les amis. On est très très fort. Regardez-moi ça comme il est beau, notre superbe Splash X. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré du coup comme matos? Alors, ouvrir l'armoire, ouais, j'aimerais bien. Alors ici on a nos torpilles, hein. On a donc du titane. Bon, le titane, ça sert pas à grand chose. Le quartz qui me fait toujours défaut, j'en ai. De l'or aussi, on va poser tout ça. Du diamant, de l'uranium, du cristal d'aluminium. Fragment de centrale thermique. Oh oui les amis, on a un nouveau fragment. Il faut absolument qu'on aille le mettre dans l'analyseur pour voir à quoi ça peut me servir, un composant de centrale thermique. Bon, ça pourrait peut-être régler aussi nos problèmes d'électricité, enfin au moins d'énergie. Patati patata, le reste, que voici, que voilà. On sort, je sais toujours pas à quoi ça sert. Donc, eh ben on va aller, on va se mouiller, hop, et on va aller rejoindre notre base primaire. Et je voudrais vraiment rassembler mes bases. Alors, comment ça, pas welcome on board, captain, hein? Ah là là, tout full camp, je vous jure. Alors, on ouvre l'analyseur de fragments. On va donc y transférer notre fragment de centrale thermique. C'est parti, mon kiki. En veux-tu, en voilà. Il faudrait aussi que je fasse du ménage dans mes armoires, que je trie un peu, mais je crois que ça se fera jamais. Le truc pour l'échantillonneur de terrain, je crois que ça ne sert pas à grand-chose non plus. Ce que je vais faire, je vais plutôt prendre quoi? Je sais pas, je vais rien manger, je vais laisser en drague comme ça, je me débrouillerai. Voilà, je voulais mettre ça, l'uranium, j'en ai pas besoin, ça non plus. Il n'y a pas d'argent. Vous voyez, il faut vraiment que je trouve de l'argent. L'argent va me faire défaut, autant que le quartz. Qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? Ben, dans celle-ci, on n'a rien. Et là, on n'a rien. Bon. Combien t'en es? 13%. Hop. Hop là. J'ai pas d'argent non plus dans mon sous-marin. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on va prendre notre petit Asémos. Oh, il est abîmé, hein, faudrait vraiment que je le répare. Hop. Parce que donc, ce que je voulais fabriquer, c'était donc... Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire? Descendre plus profond, pour l'instant, pas tout de suite. Module d'amélioration énergétique. Ouais, je préférais le truc solaire. Hein. Titane, quartz, circuit intégré, mais il faut quand même de l'argent. Module de stockage, ouais, on s'en fout. Système de défense, ouais. Torpille, ouais. Sonar, ça va être super marrant. Ah ben j'en ai un qui est de câblage, je crois, non? Oh, je sais plus. Renforcement. Sonar. Ouais, ça peut être marrant, ça. J'en ai un qui est de câblage. Attendez, je vais vérifier. On va vérifier. S'il y en a un, on va se faire ça, déjà. Il me semble que j'en ai un, non. Je vais dire bêtise, c'est pas ici. Bah non, évidemment. Ah non, c'est un fil d'Ariane. Non, je pensais que j'avais un... Pff, non, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Bon, hop. Bon, c'est pas grave. Allez, on va chercher... On va prendre notre Thémos. Et on va chercher de l'argent, les amis. De l'argent. Du flouze, de l'oseille, de la thune. Allez, grave. Bon, 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 bon. Allez, on y va. Alors, de l'argent, où est-ce que je vais trouver ça, les amis? On tente dans les herbes rouges. Les herbes rouges, c'était plus du cuivre, hein, je crois. Hein. Mais on va quand même tenter, après tout, pourquoi pas. J'ai envie de dire, pourquoi pas. On va aller pas plus loin, hein. On va aller fouiller dans les trucs rouges par là. Un fragment, là. Bon, là, je suppose que je l'ai déjà utilisé, mais on va quand même voir. On sait jamais, on sait jamais. C'est un fragment de canon à propulsion. Bah voilà, c'est... Oh purée, bah voilà, je savais quoi. C'est encore ces ch'tis de saloperies, là. Hein? Viens là. Viens là. Non mais toi, il n'y a pas de couteau. Je te défonce, je t'ai dit que je te défonçais. Non mais... Oh les amis, j'ai plus de couteau. Ah là 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 là, j'ai perdu mon sabre laser de Jedi. Puis alors, dans les trucs rouges, là, c'est pas évident, parce qu'il y a plein de sales bestioles. Ah là 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 là. Welcome aboard, Captain. Merci. Mais c'est pas grave, allez, on y va, parce qu'on est... Oh là là, on voit rien.
évidemment, c'est la nuit. Voilà, là, je vois rien du tout. Là, comment voulez-vous que je fasse? Ouais, il y a tout ce que j'aime pas. Hein. C'est quoi ces bruits? Vous entendez? On dirait des poissons qui s'écrasent sur mon sous-marin. Ah bah écrasez-vous, j'ai envie de dire. Ouais, il y a plein de petites bestioles toutes pourries là, hein, qui jettent sur moi, je vais pas pouvoir sortir là. Alors la nuit c'est peut-être encore pire. Plus les gros. Bon, on va changer de biome. Non, on va plutôt aller voir un autre biome. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par là, tiens? Alors, pom 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 pom. De toute façon, on a le plein de batterie. On a le plein d'essence, on peut partir en voyage. Allez Gisèle, fais les bagages. On va se promener. Ah ouais, bah non, on va pas aller se promener par là. Oh purée. Oh. Ok, t'arrêtes. Arrête ça tout de suite. Oh putain de dieu. Hey, c'est quoi ça? Ah ouais, non mais attendez, non mais ils sont hyper agressifs ceux-là, hein. Où il est? Voilà, il va se défoncer. Coucou. Tiens, tu vois, j'arrive des torpilles. Aïe, 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 il nous fait mal, hein, quand même, il nous fait mal. Bon, alors, on va... Où je vais? Ok, on va plutôt aller par là. Oula, oula, on va s'écraser. Alors... Alors ici il y a de l'eau. Alors là déjà il va y avoir un petit peu plus clair. Oh des petits pochetrons là. Des petits pochoirs. C'est plus mignon hein. Voilà, on va regarder un petit peu par là. Hein, ce bio me paraît un petit peu plus sympathique, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de pas mourir comme un... Il y a quand même des bruits bizarres. Alors, du titane, ben, j'en peux absolument pas. Voilà, ben, évidemment, là, il y a une petite crevasse. Vous allez voir, je vais encore me faire bouffer par un alien. C'est quoi? Du cuivre. Hein. J'en aurais besoin du cuivre. Hein. D'accord, j'ai pris le titane, mais j'ai pas pris le cuivre. Là, c'est une erreur. Ce que je fais, c'est une erreur. Parce que je vais jamais réussir à retrouver la surface. Si, c'est bon. C'est quoi ça? Du titane, j'en veux pas. J'ai dit, alors je vais prendre le cuivre que j'ai loupé. Voilà. Du titane, j'ai dit que j'en voulais pas. Ok. Alors le cuivre, je pense qu'on peut le ramasser. Parce que je pense que c'est vraiment un élément qui finira par être indispensable. Oh, il y en a plein là. Qui finira peut-être par être indispensable. Une lampe torche aussi, ça serait pas mal. Hein. Du titane, je vais être obligé de tout balancer en fait. Du cuivre. Allez, donne-moi donc de l'argent là plutôt. Où est-ce que je trouve de l'argent les amis? Du titane. Alors, le jour se lève. Du titane. Du cuivre. Alors non, c'est pas le bon submersible. C'est pas le bon Simoth. Le Splashex. Où est le Splashex? Rendez-moi mon Splashex. C'est pas facile à dire non plus, Splashex. Non, ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Il y a plein de bestioles à bouffer, je suis content ici. Hein. Plein de petits poissons. Oui, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Pom pom pom. Bon, écoutez, on va continuer. Et puis au pire, je défoncerai. Ah. Alors on continue, on va aller direction base quoi? Qu'est-ce que c'est par là? Base 3, base 2, la base 1 est là-bas. Bon, on va aller se déplacer vers là, en direction de la base 3. Tiens, on peut aller jeter un petit œil. Voir ce qu'on peut trouver. Puis en direction, on va bien trouver des fragments à... Voilà, on va essayer de s'arrêter un petit peu partout. Et essayer de trouver... Bah, dans quel biome on peut trouver de l'argent? Du cuivre. Ah non, hein, c'est du titane. Eh oh, vous savez où je peux trouver de l'argent, s'il vous plaît? Eh oh, savez-vous pas? Oh là là. Ils sont pas très causants ici. Ah là 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 là. Bon. Oh, du cuivre, du cuivre, du cuivre.
créature. Oh, de l'argent, les amis, de l'argent. Je suis content, j'en ai un. Du titane. Ouais, ouais, ouais. Voilà, vous savez déjà, le titane, bah, je vais le dégager. Voilà. J'aime pas laisser traîner des trucs au fond de l'eau, mais bon, bah, j'ai pas trop le choix. Je crois que c'est de l'argent. Je n'ai malheureusement pas trop le choix. Titane, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas possible. Alors, en admettant que l'argent que j'ai trouvé se trouve dans ce biome, est-ce que ça pourrait être un indice? Pour l'instant, c'est un indice de absolument rien du tout. Ah, c'est marrant cette petite route, là, on dirait une route. Bon. Il est où mon... Ah. Alors, on a dit qu'on se déplaçait direction base numéro 3. Pom 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 pom. Toi, c'est de l'argent. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, est-ce que ça se trouverait donc plus dans ce genre de biome? Alors, c'est quoi ce biome? C'est même pas un biome, ça, c'est un... On est un entre deux biomes. Mais on peut essayer de fouiller un petit peu par là. Alors ça me fait 2 argent pour faire un circuit intégré. Je crois qu'il m'en faut justement 2 ou 1. Mmh. Et bah ouais, c'est comme ça. Bah c'est comme ça, fallait... C'est comme ça, écoute, c'est tout. Hop là. Non mais ça c'est juste au cas où si j'ai un petit creux sur le retour. Hein. Hop, vous là-bas. Tac. Voilà. Je vois pas d'autres minerais ici. Si, si. C'est quoi ce bruit? C'est du titane. Ok, bon. Bonjour monsieur. ils sont énormes ça. Toi tu vas sûrement être. Tu vas faire partie des premiers. Mes premières cibles dès que j'aurai réussi à me crafter des... Enfin, mon support à torpille. Alors, ici, j'ai dit que je voulais pas trop piocher, puisque... bah, j'ai plus de couteau, il y a beaucoup de petits poissons rouges, les petites saloperies, là. Oula, oula, ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, mes copines. Ouais, on va pas prendre le risque de le défoncer. Oh là là, un champ d'astéroïdes, les amis, champ d'astéroïdes. Avec les champipis et les champignons. Oh. Arrêtez de me rentrer dedans. Ah, pardon. Ah oui, d'accord, c'est carrément les trucs là qui se... Alors, la base numéro 3 est donc par ici. Je suis où? Je suis où? Je suis là. Ok. Je ne vois rien. Tout va bien. Donc là, on est dans le biome des champignons. Ah, la santé de mon truc est de 25%. Il est complètement en train de calancher et même je le ressens. Alors je sais pas si c'est moi qui divague. Ah non, c'est que j'ai un... Il va falloir que je fasse une sortie, les amis, je crois. Réapparition de proximité échouée. C'est quoi ça? Eh, je peux pas sortir. Non, les amis, je peux pas sortir. Attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? J'ai une espèce de glu là. Je peux pas sortir. Oui, réapparition en proximité échouée. Je peux pas sortir parce que j'ai une espèce de boule qui s'est collée après moi. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Ah la vache, attendez, il faut que je rentre à la base numéro 1 du coup pour pouvoir me débarrasser de ce machin. Que je sois prise en charge automatiquement par le sous-marin ou par ma base d'immersion. Parce que je peux pas sortir. Il est accroché à moi comme une sensuite, il doit bloquer le système d'ouverture, je sais pas. Je suis coincé. Au secours. Ah, mais c'est incroyable. Il y avait combien de chances pour... Quelle probabilité pour que ça arrive? Je sais rien. Alors, et puis même le maniement de mon sous-marin, regardez, tout fout le camp. Je flotte de travers. Voilà, bon. Bah, c'est pas grave, on a récupéré 2 argent quand même. C'est pas rien. Quand même, voilà, il y a des petites étincelles. Mais regardez la santé de mon splashex.
On splashait, c'est à 25%, on est parti, on... il remonte à la surface tout seul. Descends. Ça suffit. Obéis. Allez, hop, il remonte. Et il vole de travers. Enfin, il vole. Il nage de travers. Alors, il faut qu'on rentre. Alors, on va pas rentrer dans le sous-marin parce que ça, ça pompe de la lime. On va aller dans notre... Si je peux couler. Est-ce que je peux couler tranquillement, s'il te plaît? Regardez, je nage de travers. Comment je vais faire? Oh là là, je... C'est... Ah, pardon. Allez, aidez. Alors, est-ce que je peux sortir que... Regardez-moi ça, ce truc! Viens là, saleté! Non mais vous... Tiens. Voilà. Tu restes là et tu bouges pas, hein. Allez, arrête. C'est incroyable, ça. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené, les amis? Alors, les amis, on a ramené de quoi manger. Pourquoi pas. On a ramené 2 argent. Et donc, on a besoin de se faire... pour notre lanceur de torpilles, notre truc de stockage pour les torpilles. C'est pas les torpilles. Moi, c'est ça que je veux. Donc, il faut la magnétite. Il y a un circuit intégré. La magnétite, on en a, il me semble. Je sais, je suis même pas si on en a de la magnétite. Est-ce qu'on en a de la magnétite? Je ne sais pas. Mais on va se faire un kit de câblage avancé. Pour faire le kit de câblage avancé, il me faut... Alors, kit de câblage avancé, il me faut 2 ors et un circuit intégré. Personne veut d'un kit de câblage, évidemment. Circuit intégré, donc il faut du quartz, ok. Bon, on est à peu près, bon, on va réussir à le faire, je pense. On le fera pas tout de suite parce que on va arrêter là pour cet épisode. Puis on va se faire au moins à manger. On va cuire notre poisson. Voilà, on va au moins pas partir en se disant on va mourir. Voilà, puis on va manger le copain. Allez, voilà. Alors les poissons, donc, hein, c'est pas la peine de les stocker trop longtemps une fois cuits. Donc c'est pour ça que, en fait, ici. C'est de la nourriture asséchée, donc déshydratée. Donc je pense qu'elle doit moins pourrir, évidemment. Par contre, elle doit évidemment donner plus soif. Donc on peut la stocker, je pense, plus longtemps comme ça. Mais bon, pour l'instant, je suis pas... J'ai pas de difficulté à trouver du poisson. Puis avec notre super pistolet machin, truc bidule, aspirateur, on n'a pas besoin. Donc voilà, donc j'ai compris un petit peu le comment du pourquoi. Donc quand on cuit les poissons, et ben, le mieux, tout simplement, c'est de les bouffer. Bon, toi, je vais peut-être attendre un petit peu, on va voir. Hop, voilà. Bien. Eh bien écoutez les amis, c'est sur cette belle vidéo avec notre espèce de copain, je sais pas, on va l'appeler, je pense que ça peut devenir une mascotte. J'ai vu qu'il avait une bouche, non? Je sais pas. Je sais pas, enfin bon. Si il a une bouche, regardez, attendez, si je passe en dessous, ah, on voit une espèce de... Attendez, je vais le faire. Hop, tiens. Hop, non, on voit pas de bouche. Bon, il me semblait qu'il avait une bouche. Bref, on va lui donner un petit nom aussi, je sais pas comment on va l'appeler, mais on va trouver. Bien, et en tout cas, sur ces belles images, bah, moi je vous dis évidemment à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Et puis, eh bien oui, je me répète, eh bien, à très bientôt. Voilà, au revoir les amis, à bientôt.